9 octobre 1933. Vous n'êtes pas le seul à savoir où l'héroïne est plantée. Dépêchez-vous, il pourrait bien être trop tard. Qui parle? C'est un ami, je vous dis. Dévoué. C'est la même voix que la dernière fois. L'héroïne est paraît-il planquée sous un pilier du débarcadère. Ça pourrait bien être un piège. Mais qui a pu penser qu'une fois débarrassé de toi, il respirerait mieux? Et on va le savoir tout de suite. Et voici les toutes dernières nouvelles. Alexandre Raider, propriétaire du parc d'attractions géant situé sur les bords du lac, a été tué d'une balle de revolver il y a une heure au cours d'un engagement d'une extrême violence avec des agents fédéraux, directement sous le débarcadère. Nous ne possédons pas d'autres détails pour le moment. C'est toi, n'est-ce pas, qui a fait le coup? Pour me faire inculper le meurtre. Et moi, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Je l'ai dépensé. Un point tout, c'est ton affaire, ça, tu sais. On te fera signe quand on aura besoin de toi. Merci. On ferait peut-être mieux de ne pas le laisser partir. Pourquoi? Mon père était un homme d'affaires. Il me disait toujours, fais bien attention quand tu achètes quelque chose d'en avoir pour ton argent. Et qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, vous êtes le patron, et ce que vous dites, c'est l'évangile. Mais tenez-vous vraiment à payer un demi-million de dollars pour une quinzaine de livres de sucre? De sucre? C'est mauvais pour toi tout ça, Justin. Très mal, très mal. Ce regard est extrêmement bref. C'est absolument ridicule et dangereux pour nous d'être vus ensemble. Acceptons le fait que cette entrevue nous déplaît à tous les deux et nous serons quittes. Nous avons certaines questions à voir. Lesquelles, par exemple? Comment je vais faire pour te tuer ce soir?